Yes. La vie ne peut exister sans l'ordre. Bien ou mal, lumière et ténèbres. L'univers a besoin d'harmonie. Ainsi l'a décrété le Conseil Ardent. Une entité chargée par le Créateur de préserver l'essence même de l'existence. Mais l'équilibre a été rompu. La Terre a été ravagée par les seigneurs des enfers. Et le Destructeur crée un nouveau royaume pour ses puissants élus. Certains prétendent que War a déclenché l'apocalypse. Qu'en allant sur Terre trop tôt, il a condamné l'humanité. Mais qu'en est-il des autres cavaliers? Ces puissants agents du combat. Néphilim, hybride maudit d'anges et de démons. Les Néphilim dévastèrent sans pitié d'innombrables royaumes. Mais quatre d'entre eux se lassèrent du carnage, inquiets des conséquences de leur conquête sur l'équilibre. Un pacte fut alors forgé. Les quatre serviraient le Conseil en échange d'un pouvoir inimaginable. Ainsi apparurent les cavaliers. Et leur première tâche fut de débarrasser la création de leurs frères, d'exterminer les Néphilim et de détruire leurs âmes. Intéressons-nous maintenant à l'un des quatre. Pawar, enchaîné aux pieds du Conseil, clamant en vain son innocence. Mais celui qui veut sauver son frère par-dessus tout, il porte de nombreux noms. Bourreau, faucheur. On l'appelle Tess. En échange de la libération de War, Tess jura de sauver l'humanité. Mais il ne savait pas comment y parvenir. Il se mit alors à chevaucher le voile glacé en quête du gardien des secrets.
cheval ne passera pas. Je dois continuer seul. Mon cheval ne passera pas. Je dois continuer seul.
Pas mal, on est pas mal. C'est pas la fin, mais bon. Oh, encore. Putain. Toujours pas de problème.
Ouais, je comprends pas là. Je comprends pas, ça fait 4 fois que je fais la quête et ça marche pas, putain. Secret. J'ai besoin de toi. Je t'ai déjà aidé une fois, cavalier. Vois le résultat. Je maudis ce jour. Et toi aussi. Attention, vieux Corba. Je ne suis pas venu ici pour vous libérer. Du moins, pas encore. Je sais ce qui t'amène. Ton frère, le cavalier War, le conseiller dans l'a arrêté, va bientôt le juger. Pour avoir condamné la Terre et décimé les humains. Mais pourquoi son destin m'intéresserait-il ? Parce que vous savez tout. Vos secrets peuvent le sauver. Le Conseil va le punir, briser ses pouvoirs et le jeter dans l'abysse pour cacher la vérité. Mes secrets ne peuvent prouver son innocence. Non, mais ils peuvent m'aider à effacer son crime. Restaurer l'humanité ? Folie. Si c'est le cas, c'est vous le plus apte à me guider. Si un moyen existe, tu le trouveras ici. L'arbre de vie. Laissez-moi passer. Attends. Ce que tu m'as donné, tu dois le reprendre. En échange de ces secrets, vous avez promis de garder le talisman. Non, les voix, elles menacent et maudissent sans cesse. Elles veulent revenir. Tu dois le détruire. Non, je ne peux pas. Tu as massacré leurs corps. Pourquoi garder leurs âmes ? Ouvrez le portail. Tu ne passeras pas tant que je vivrai. Alors, très bien. M'y connaissent un tourment sans fin. Veux-tu les rejoindre ? Et ton frère War, serais-tu prêt à le tuer pour sauver l'équilibre ? Ouais, il est innocent. En es-tu bien sûr ? Ça fait 3 fois que je sauve des flammes et il me valide pas la quête.
ce cas qu'il meure avec vous, vieux fou. Mes secrets. Les mondes de notre univers plongent lentement dans un abysse sans fin. Ravagés par le temps et la guerre, de nombreux royaumes disparaissent et retournent aux nœuds dont ils sont issus. Mais certains restent éternellement au bord de l'anéantissement, pour que création et destruction s'éloignent. Et dans les derniers instants du combat, Tess fut banni vers l'un de ces mondes à l'agonie, prêt à basculer dans les ténèbres. L'avait-on envoyé à sa mort? La réponse serait révélée dans l'avenir de Tess et dans son passé. Tiens-toi tranquille, tu es blessé. Toi, ne me touche pas. Ton arrivée ne présage rien de bon. Oui, je suis très inquiet. Lancia, soyez plus clair où vos craintes risquent de se réaliser. Où est l'arbre de vie? De vie? Ce monde est mourant. Rongé par le chaos et la corruption, on ne peut rien faire pour le sauver. Bientôt, l'arbre mourra lui aussi, et avec lui, ce qui reste de mon peuple. N'est-ce pas la raison de ta présence ici, cavalier? Je cherche l'arbre. Vos problèmes ne me concernent pas. Il me semble que si... Tu es fort, mais cette corruption n'a rien à craindre des lames. Trouve la sœur de la forme, la reine du feu de la montagne. Elle est là. Tu pourras atteindre l'arbre. Quant à moi, je dois me remettre au travail. Et qui êtes-vous pour me donner des ordres? Un fondateur. Plus ancien encore que le conseil. Mes mains ont posé les fondations de nombreux mondes, mais leur temps est révolu. Elles ne caressent plus que rarement la pierre. Tess, un mauvais point. Vous ne voulez donc pas savoir pourquoi je cherche l'arbre? Je ne m'en pas de remettre la des quatre. Mais vas-y, dis-moi. Je dois sauver l'humanité pour réhabiliter l'histoire. Les cieux et les enfers s'affrontent sur cette terre brisée. Je trouve ton frère. Je n'ai jamais dit le contraire.
L'arbre de vie a le pouvoir de contrôler la vie et la mort. Si tu parvenais à ressusciter l'humanité, tu serais en bonne voie. Mais méfie-toi, la corruption barre la route menant à l'arbre, où habite désormais une présence obscure. Hâte-toi, Death. Mon royaume. Le cavalier, il était temps que tu arrives. Le royaume des fondateurs se meurt. Nous sommes tout ce qu'il en reste. La vie d'un guerrier n'est jamais facile, l'ancien. Non, mais toujours très simple. J'ai toujours voulu mourir l'arme à la main, entouré de cadavres ennemis. Et quelle fin glorieuse vous attend, cachée derrière ces portes? Ah, on ne peut combattre la corruption, encore moins la vaincre. Seulement tuer ceux qu'elle a pervertis. Chacun des coups que je porte contre elle est un coup porté à mon propre peuple. Médite là-dessus, avant de m'accuser de lâcheté.
je peux mettre fin à vos soucis. Eh bien, libre à toi d'essayer. Cette lame est plus ancienne que toi, cavalier, et bien plus robuste. Ce n'est pas ce qui m'empêchera de la briser. Tu dépasses toutes mes attentes. Personne n'est de taille contre moi. C'est temps, j'allais m'endormir. Racine, bon sang. Nous attendions ta venue, cavalier. Ton ombre plane sur ce royaume depuis longtemps. Nous sommes les bâtisseurs de ce monde. Mais la corruption ronge son cœur. Eidard essaie de nous soutenir. Mais nous ne désirons plus qu'une chose. La mort, l'espoir nous a quittés. Le vieux a fait place au nord. Je te promets d'en... Tu as touché les ténèbres. Ça y est, je t'apitrite. Putain, fallait juste que je parle au soldat, en fait. Vous n'avez plus d'espoir. Oui, ça va. Et pourtant, vous continuez à créer la vie. Ça va. Je suis une chamane. Je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier souffle. Comme les plantes, nous prenons racine et fleurissons avant de nous flétrir, en laissant des graines derrière nous. C'est un cycle éternel. Je ne peux pas l'interrompre. Ni t'arrêter. Cavalier, doutes-tu parfois de ton avenir ? Non. Ainsi, tu serais prêt à lutter pour changer un destin qui ne te convient pas. C'est un chemin long et périlleux, même pour toi. Et mec, tu peux avoir une montre pour 1 million de points de chasse. Je suis doué pour créer des charmes protecteurs. 1 million de points. Si tu m'apportes les matériaux adéquats, je confectionnerai pour toi un puissant talisman. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Os de rôdeur, serin acide. Et Sculpetra, ce n'est pas une simple babiole. Où puis-je trouver tout ça ? Sur les terres de la Forge. Je quitte rarement Tripetra, mais Karn est toujours par Mons et par vous. Il pourra sûrement t'en dire plus. Dis-moi, chaman, qu'est-ce que la corruption ? Je l'ignore, mais j'ai une théorie. Je crains qu'elle ne soit pas réincarnée.
et la haine ne vient pas des arbres et des pierres. Parlez-moi encore de l'arbre. Elle crie famine. Tu ne pourras jamais atteindre l'arbre vivant. Le destin de ton frère te préoccupe, mais aussi ton futur. Pierre, bois. Cavalier, bonne chance. La pierre. Les rumeurs disaient vrai. Un cavalier sur nos terres. Je suis Alia, et voici mon frère, Valus. Nous sommes les gardiens de cette forge. Un rôle qui a perdu de son prestige. Je l'avoue. Est-ce que c'est une forge de fondateurs? Non. La grande forge est silencieuse, étouffée par la corruption. Dans ses fourneaux, nous avons forgé les tours noirs des enfers et les cités des cieux. Et maintenant, c'est Babiole. Et toi, l'un des quatre, cherche aujourd'hui l'aide des fondateurs? Il semble que nous soyons tous tombés bien bas. Je suis venu pour l'arbre, et votre sage me parle de feu. Mais quel feu? Le feu de la montagne. Le sang du patriarche. Il coulait jadis dans notre forge, comme les larmes. Le cœur et l'âme de la pierre. De nos mais la corruption les a souillés. Et notre forge est... Et en quoi cela me concerne? La corruption barre la route menant à l'arbre de vie. Tu es coincé ici, toi aussi. Mais si tu sauves notre forge, tu pourras avancer. Je ne vous comprends pas. Nous sommes des fondateurs, pas des guerriers. Mais nous ne sommes rien sans armes. Avant de perdre la forge, nous avions façonné une puissante créature d'âme et de pierre. Un colosse capable d'affronter la corruption. Mais pour le réveiller, il nous faut une clé des fondateurs, et donc notre forge. Peux-tu nous aider? Votre frère ne parle pas beaucoup. Il n'en a pas besoin. Les coups de marteau et le crépitement des flammes parlent pour lui. Oui, il travaille et vous parlez. Une lame pourrait m'être utile. Plus utile qu'à nous, cavalier? Je ne crois pas. Nous luttons pour la survie de notre royaume, de notre peuple. Fais tes preuves et nous parlerons à faire. Parlez-moi de ce chaudron. C'est un temple dressé dans l'ombre du pic du patriarche. Il canalisait le feu de la montagne vers notre forge. Chevauche vers l'est. Traverse le défilé ardent en direction du pic du patriarche. C'est là que tu trouveras le chaudron. Qu'est-ce qui t'amène ici? Reviens plus tard. On a trop de travail. Reviens plus tard, on a trop de travail. Je dois continuer seul. Mon cheval ne passera pas. Je dois continuer seul. Thank you.
À bientôt, Death. Par ici, tu ne croiseras que des ennuis, cavalier. Mais je ne suis pas votre ennemi, et je dois me rendre au chaudron. Si tu apprécies l'étreinte de la corruption, tu es sur la bonne voie. Chose, bâtard. Cette porte n'est pas là pour rien, tu sais. Même si tu étais un ami, je ne te laisserai pas passer. Et la mort n'est l'ami de personne. Vous pouvez m'aider ou tous ces combats vous ont rendu sénile. Oh, j'ai encore de la sagesse à revendre. Assez pour rester loin du chaudron. Nos ancêtres l'ont truffé de pièges mortels. Mais un malin comme toi saura sûrement les éviter. Le feu est plus un... Hâte-toi de rejoindre le temple. Le feu ne vous sauvera pas. Seule la forge peut le faire. Exact. Sans le feu et les larmes de la montagne, sans la forge elle-même, nous n'avons aucun moyen de purifier la forêt et d'accéder à... Et alors ? Tu es un Néphilim. Un seigneur de la destruction. Peut-être que tout n'est pas perdu. Cette forge est très ancienne. Elle est aussi vieille que le royaume. On dit qu'elle fut la première création de notre peuple. Que des mondes entiers sont nés dans ses fours.